Bonjour à tous, ici au Zone Griff pour un tutoriel factorio sur l'énergie. Alors en particulier l'énergie qu'on utilise pour faire fondre les minéraux parce que c'est ce qui consomme quasiment le plus en fait dans une base, pendant longtemps en tout cas et surtout au début. Donc euh, je vais vous montrer un peu les différentes sources d'énergie et les différents types de brûleurs. Donc de base dans le jeu on va avoir au début euh, la stone furnace, ensuite on va avoir assez rapidement la furnace en acier la style furnace et on va pouvoir débloquer un peu plus tard l'électrique furnace. Voilà, donc ça ce sont les trois types de fondeurs. Il y en a deux qui fonctionnent directement avec le carburant et le dernier fonctionne à l'électricité. Je vais vous présenter les avantages et inconvénients de chacun euh, chacune de ces euh, furnaces. Donc la première, la première du jeu, on va euh, l'alimenter avec une pile de 50 minerais et la première source d'énergie que vous allez avoir dans le jeu, ce sera du bois. Alors vous prenez votre petite, euh, votre petite hache, vous brûlez du bois, et voilà, ça va fonctionner, il n'y a aucun problème. Donc le bois, on va le faire dans la furnace du haut. Ensuite, on va prendre pareil une pile de 50 euh, aciers. Et ce coup-ci, je vais injecter du charbon. Le charbon, ça va être une ressource que vous obtiendrez assez facilement dans les, euh, les mines de charbon qui sont en noir ici. Donc, vous pouvez y aller à la main, puis, bien sûr, après, vous allez avoir des mineurs. Donc, notre bois a été consommé, et on peut voir que une, une pile de bois, enfin, une, un objet de bois, a généré 6 conversions euh, du minerai en acier. Ensuite, on a l'autre qui est toujours en train de tourner. Je vais en poser une dernière. Celle-là, je vais lui mettre, pareil, une stack de 50. Et ce coup-ci, je vais lui mettre du solid fuel, du, du carburant solide. Le carburant solide est fabriqué à partir de la pétrochimie, donc à partir de pétrole. Et vous avez des usines qui vous permettent de convertir l'huile légère et le pétrole, le pétroléum, directement en solid fuel. Et on va pouvoir comparer l'efficience e de chacun de ces comburants. Donc là, par exemple, le charbon il a généré 12 conversions. Donc on avait vu le bois c'était 6, le charbon on est monté à 12, puis là on va attendre pour la, la dernière parce qu'elle tourne toujours. Donc ensuite on a assez rapidement les furnaces en acier. Donc on va faire pareil, on va prendre une furnace en acier, on va lui mettre une stack, et ce coup-ci, alors on va la décaler, euh, je ne vais pas faire le bois, on va y aller directement au charbon, parce que le bois c'est gentil, mais on va pas tourner avec très longtemps. Donc on va lui mettre un peu de bois, et pareil, on va faire une furnace en acier et on va lui mettre du solid fuel en bas. Ok Donc ça, ça va tourner quelques temps. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment générer de l'électricité pour la dernière furnace. Donc l'électricité, quand vous commencez le jeu, il vous faut une pompe. Donc la pompe, elle n'a pas besoin d'énergie, elle, elle est solaire. Et vous pouvez. Euh, elle va pomper de l'eau, ce qui va vous permettre d'alimenter les turbines. Vu que ça c'est basé sur de la vapeur d'eau, on fait chauffer de l'eau, la vapeur d'eau monte en pression et fait tourner les turbines euh, pour générer de l'électricité. Donc cette eau on va la mettre dans des, des boilers, des, des brûleurs. Et le ratio idéal en début de partie, ça va être 3 brûleurs, c'est ce que vous allez vouloir assez rapidement. 3 brûleurs pour deux générateurs à vapeur. Deux moteurs à vapeur. Ça, c'est idéal, quasiment. Donc, ensuite, vous mettez un poteau électrique en face de chaque générateur. Et ces brûleurs, il faudra les alimenter en charbon. D'accord? Donc, on va juste connecter notre furnace électrique ici. Et, ce qu'on va faire, on va faire pareil. Alors, je vais la décaler pour euh, le même exemple. Donc, on va la mettre puis on va la mettre ici. Alors je vais déjà alimenter que celle du haut parce qu'il y a une particularité sur les furnaces électriques, c'est qu'elles ont euh, la consommation d'énergie et elles ont aussi le drain. Alors le drain, ça veut dire qu'elles vont consommer de l'énergie même si elles ne tournent pas. Donc pour éviter de fausser euh, cette expérience, je vais brancher qu'une seule furnace dans un premier temps. On va lui mettre une stack de 50. Et dans un des brûloirs, je vais mettre. Un item de charbon. Donc on peut voir que ça a lancé les, les moteurs. On a notre item de charbon qui tourne. Et voilà, on commence à convertir euh, l'acier. Et là, on va voir avec une stack de charbon combien ça donne. Alors là, on avait, avec la Stone Furnace, on avait 12 conversions. Avec celle en acier, on est monté à 25 conversions. Donc un peu plus que le double. Alors, en fait, le double, parce que vous voyez que la barre... Euh, la barre de travail est un peu plus que la moitié, elle a un peu moins. Donc en fait, tout simplement, la Steel Furnace, avec le même comburant, elle a fourni le double de ce qu'elle pouvait faire. Et celle-là, c'est simple, elle a converti les 50, et elle n'a même pas fini, donc on peut lui-même lui mettre encore une stack. Donc le, avec le Solid Fuel, là on est monté à 39. Donc vous voyez, 12, on monte à 39, donc euh, le solide fuel génère beaucoup beaucoup plus d'énergie en fait un peu plus que trois fois plus d'énergie que le, le charbon. Et là c'est simple de toute façon ça continue il est en train de brûler son solide fuel 64 vous voyez avec la, la steel furnace le solid fuel est très très efficace. Alors ensuite l'électrique on est monté avec un morceau de charbon à 12. Et vous voyez, c'est autant que la Stone Furnace. Ça veut dire qu'en fait, l'électrique furnace est moins efficace que la Steel Furnace. Deux fois moins efficace. Alors à quoi c'est dû Donc Je me suis un peu cassé la tête pour essayer de comprendre. Et en fait, il faut comprendre que les boilers en eux-mêmes, ils ont une consommation énergétique. 390 kW. Ça veut dire que quand votre brûleur fonctionne, en fait, il va consommer de l'énergie lui-même pour fonctionner pour faire chauffer de l'eau, finalement. Et euh, bah, cette énergie, elle est perdue. Donc, vous allez... Euh, les furnaces électriques n'ont pas d'intérêt immédiatement quand vous avez les, les furnaces, euh, les steel furnaces, à part le fait, bien sûr, que vous avez plus besoin de transporter le comburant pour les faire fonctionner. Donc, ça simplifie un peu vos schémas, euh, euh, vos designs, c'est tout. C'est tout, en fait. Donc, maintenant, je vais pouvoir... Retirer le poteau électrique, on va faire pareil avec du solid fuel. Donc je vais alimenter celle-là. On va lui mettre une stack de 50. On va mettre un bloc de solid fuel dans le boiler. On va regarder ce que ça donne. Donc là, on peut voir que le, la performance des moteurs, des moteurs en train de, de grimper. Le solid fuel est consommé très vite au début. Mais après, ça va ralentir, parce qu'en fait le, le rendement énergétique est à 100% et là. Le boiler, il va, en, en fait, il n'y a pas de perte d'énergie dans Factorio, donc vous n'allez pas, enfin, pas de perte à part le drain, donc vous n'allez pas surconsommer sur -consommer, euh, et perdre de, de la ressource bêtement. Donc là, ça tourne bien. On sait maintenant par expérience, voilà, on est monté à 78 ici au lieu de 25, c'est-à-dire presque trois fois plus, hein, un peu plus que trois fois plus. Donc on sait que le solid fuel est trois fois plus efficace que le charbon que le charbon est deux fois plus efficace que le bois. On sait que les furnaces électriques, finalement, sont aussi efficaces que les stone furnaces. Donc, vraiment, les furnaces en acier sont très intéressantes pendant très longtemps. Et là, on voit, donc, bien sûr, j'ai mis du solid fuel, ça augmente, et là, ça va commencer à s'arrêter. Voilà, c'est parti. On arrive à 38. Donc, bah à peu près trois fois plus euh, que tout à l'heure, un tout petit peu plus que trois fois plus. Donc, ça respecte bien. Mais de la même manière, là avec la steel furnace, on était monté à 78 et là on est à 38, donc presque deux fois moins. Alors vous allez me dire, bah oui mais c'est nul. Alors c'est quoi l'intérêt des électriques furnaces Bah du coup l'intérêt c'est effectivement de simplifier vos schémas parce que quand vous avez, euh... Alors, je vais prendre des tapis ce que j'en ai, j'en ai quelques uns. Alors, quelques coffres. Est-ce que j'ai des coffres Voilà. Quelques coffres, quelques bras. Hop. Donc une stack de bras verts. Ici, on va mettre du charbon. Du charbon et de l'acier. On va les relier à l'électricité. On va mettre du carburant maintenant. On veut que ça tourne un peu. Parce qu'en fait, finalement, ce que vous voulez faire, vous, quand vous avez une, des furnaces en, en acier, ou des furnaces normales, c'est d'avoir directement sur une belt le charbon, le comburant alors ça peut être du solid fuel aussi, et le minerai à, min, à miner, donc à, à fondre. Et là, bien sûr, vous allez donc diviser par deux la, Efficience de votre belt, parce que vous devez la partager en deux. Alors que la, la furnace électrique, vous n'avez plus besoin de la partie comburant, hein, vu que c'est géré directement au niveau des, des moteurs. Mais est-ce que ça justifie vraiment de perdre la moitié du rendement Personnellement, je pense pas. Donc voilà. Donc par contre, il y a une petite euh, astuce qui vient plus tard dans le jeu. Et plus tard dans le jeu, vous allez avoir, alors je vais reposer une de furnace électrique. Hop on va la mettre là, on va débrancher l'autre. Plus tard dans le jeu, vous allez avoir ce qu'on appelle des modules, des modules d'efficacité. Alors je vais prendre les modules niveau 1 pour cette démonstration. Les modules verts permettent de réduire la consommation d'énergie de 30%. Si vous en avez deux, vous divisez la consommation d'énergie de 60%. Ces modules arrivent assez vite, ils coûtent très cher, Alors, pas les modules niveau 1, mais les modules au-dessus coûtent assez cher. Et donc, alors là, il va falloir que je retire les moteurs et le boiler parce que j'ai fait chauffer de l'eau. Euh, je vais remettre... Mettre le boiler et mes deux moteurs. Voilà. Donc, une stack de 50. Puis on va regarder maintenant ce que ça donne. Si je mets un bloc de charbon... Donc avant avec la un bloc de charbon et pas de module, on était monté à 12 plaques. Mais là on a des modules qui réduisent la consommation de 60 Et on peut descendre à 80 Avec les modules niveau Alors en fait, vous pouvez mettre un module niveau 3 et un module niveau 1. Vous pouvez mettre deux modules niveau 2, est probablement plus efficace. Deux modules niveau 2 et vous baissez la consommation de de 80 et là vous allez voir que donc notre charbon est consommé, la puissance est en train de baisser dans les moteurs. On est monté à 21, 22, 23, 24 et là ça va pas tarder à s'arrêter. Et voilà, ça s'arrête et là vous voyez, on est monté à 29 comparer une style furnace qui était 25 donc on a produit plus de conversion avec le même rendement de carburant. Donc les électriques electric furnaces sont uniquement intéressantes quand vous avez les modules. Et donc là on peut faire le l'essai avec des modules niveau 3. Alors j'en mets deux niveau 3, ça se pourrait être deux niveaux 2 mais de toute façon le maximum c'est moins 80 Deux modules niveau 3, ça pourrait être des niveaux 2, ça ferait exactement pareil un charbon donc là, on était monté à 78 conversions. Puis là, on va pouvoir attendre parce qu'à mon avis, ça va, ça va tourner quelques temps. Et 50 ne vont bien sûr pas suffire. Alors, j'ai mis du charbon. Je voulais mettre du solide, fuel, Bon, c'est pas grave. On va le faire avec du charbon. Qu'avec du charbon. On était monté à 29. Là, bien sûr, on va monter encore au-dessus. Ok. Bon, alors ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous parler de comment on peut faire euh, des moteurs de façon optimale, ces moteurs énergétiques là, à vapeur, de façon optimale. Donc une pompe, une pompe alimente de façon parfaitement optimale, alors c'est quasiment le 3 pour 2, c'est en l'occurrence 14 pour 10. Si vous faites le ratio, 3 pour 2 ça ferait 15 pour 10, on est à 14 sur 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 boilers, Là, j'aime bien mettre un petit trou parce que ça permet le passage quand on est euh, physique, quand on a un personnage. Et ensuite, donc, les 10 moteurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai quelques restes d'autres tests. C'est pas grave. Ensuite, vous mettez les poteaux. Voilà. Vos poteaux électriques. Et vous pouvez alimenter ça en charbon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais me reprendre quelques stacks de poteaux. Ça va être dans... Euh, là, voilà. On va prendre trois stacks, ça va être parfait. Ok. Donc là, on veut les alimenter en énergie pour avoir des bras sur le côté. Hop, voilà. On veut pouvoir alimenter des mineurs que j'ai déjà montés ici, qui vont prendre du charbon et l'amener au boiler. Alors ça pourrait être plus tard du solid fuel. Je vous recommande bien sûr de faire du solid fuel autant que possible. Ensuite, quelques tapis. Et vous amenez... Alors les tapis, je vais faire pareil. Je vais prendre quelques stacks. Et vous amenez votre charbon directement en face des 14 boilers. Voilà. Après, vous prenez des bras tout à fait ordinaires. Bras qui ont besoin d'énergie, bien sûr. Donc là, on a... Une chaîne qui normalement est fonctionnelle, donc avec les 10 générateurs, les 14 boilers, il faut initier tout ça, donc on prend une stack de charbon par exemple, normalement un charbon suffit, et vous voyez au début ils, sont, euh, ils se mettent en route, on les voit bouger tout doucement, parce que quand il n'y a pas d'énergie c'est tout tout lent, et ça accélère jusqu'à bien sûr un rendement de 100%. Mais là, il n'y a pas besoin que ce soit optimal. Tout ce qu'on veut, c'est initier la séquence. Là, les mineurs, ils tournent à même pas 30% de leur capacité, mais ils envoient du charbon. Les bras, ils ont juste un tout petit peu d'énergie. Ils sont presque bons pour fonctionner. Et dès qu'ils vont recevoir le charbon, bien sûr. Ça va être bon, alors il a fini, lui. On est à 50 plaques. Donc 50 plaques avec du charbon et 80% de rendement. Donc on est, on a doublé simplement le rendement. Donc avec les modules, les électriques furnaces sont très très rentables. Donc là voilà, ça se met en route, vous voyez, les bras sont en train d'alimenter les boilers, notre rendement énergétique est en train de monter. Et ce que je vois souvent, c'est de séparer le, le chemin de charbon ici avec un, un répartiteur et puis de l'envoyer de l'autre côté pour une autre série de boilers. Vous n'avez pas besoin de faire ça en fait. Ce que vous avez besoin, c'est de prendre vos moteurs, vos dix moteurs. Vous mettez un espace entre les deux. Simplement un espace. Vous les montez en haut. Alors, j'en ai pas assez, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous prenez votre pompe. Vous l'alignez avec vos moteurs. Vous prenez vos brûleurs. Vous les alignez avec les brûleurs sur la droite, là. Ensuite, vous prenez le passage souterrain. Voilà. Et alors surtout vous ne connectez pas les deux tuyaux parce que ça va poser des problèmes d'équilibrage au niveau de, de l'eau, des fluides, donc ça vous ne le faites pas. Et après vous prenez des bras rouges et vous les mettez entre les deux. Et voilà, et vous avez le charbon qui va automatiquement se répartir sur toute la série. Et ça, vous pouvez le faire encore, donc je pourrais encore en mettre une série. On va le faire encore une fois. Une stack. Là, faut pas oublier de mettre les poteaux électriques, ce que j'ai oublié. Donc, les poteaux électriques entre les moteurs. Voilà. Une pompe en bas. Voilà les brûleurs vous reliez vous mettez des bras entre les deux vous mettez les poteaux électriques donc là vous pouvez les mettre les bras savent passer au-dessus des poteaux il n'y a aucun problème et voilà et vous voyez ça fait la chaîne là bon il manque des bras mais ça fait la chaîne et euh, du coup vous n'avez pas besoin d'attirer le charbon partout. Euh... Hop, tac. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attirer le charbon. Surtout, il suffit d'une seule entrée, ça suffit. Et ça fait la chaîne. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur les énergies euh, du, de Factorio va vous aider à optimiser vos schémas. N'oubliez pas, donc, conclusion. Le bois, deux fois moins efficace que le charbon. Le solid fuel, trois fois plus efficace que le charbon. N'hésitez pas à faire du solid fuel. Les steel furnaces, très très bon élément à utiliser longtemps. Euh, L'électrique à utiliser quand vous avez les modules. Et voilà, un design optimal, 14 pour 10 au niveau des brûleurs que vous pouvez chaîner de cette façon. Merci d'avoir regardé et à bientôt.